Bienvenue dans cet épisode 3 sur Sherlock Holmes, chapter 1. Et j'étais allé voir comment débloquer la situation, parce que là, à vrai dire, à la fin du deuxième épisode, j'étais vraiment démuni. Et apparemment, il faut utiliser sa vision pour trouver quelque chose à l'entrée du cimetière. Alors, je sais pas exactement quoi, mais il semblerait qu'il faut utiliser ça. Hop. Voilà. Donc il fallait faire ça et ça. J'ai pas fait gaffe si c'était expliqué. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Craft et moi sommes repartis pour Londres directement après. Ah putain, j'avais pas vu. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Ouais, j'espère. On peut y aller maintenant? Oui! On peut y aller, Earl! Donc c'est ici, je pense. A pocket watch. It seems familiar, John. Why is it here? Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. Mother. C'est le même truc? Rest in peace, oui. Violet Holmes. Goodbye, Mother. Une des bougies est éteinte quand même. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Okay. Moi, par la bougie, je vois pas. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Il s'agit d'un montre de ma mère. Elle a récemment été allumée. Flambante neuf, ok. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. Balèze. Normalement, sa taille. Donc on va le suivre. C'est bon, en vrai, on est qu'au troisième épisode, le temps que je me mette vraiment dans le truc. You were about to tell me the make and model of tire, but let me assure you. I do not care. Je sais qu'il y avait un vélo ici. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Tout à l'heure, j'ai vu un vélo posé. Il est là, ouais. Enfin, tout à l'heure, oui, bah dans l'épisode précédent pour toi. Mais pour moi, non. He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. It's stained with oil paint. Ah, une photo. C'est quand même le premier truc qui aurait dû nous sauter aux yeux. The hospital equipped. If memory serves,
They're located at the far end of the cemetery around an old tree. Oui, c'est vrai. Les outils, on s'en fout. Où est-ce que je peux me déplacer, tiens? Alors ça. Ça alors. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? Toutes les preuves obtenues. Yes! J'oublie toujours qu'on court pas avec le stick dans ces jeux-là. Je sais pas pourquoi. Dis donc, t'as pas vu quelqu'un? Are you able to help me? His Majesty came out of his palace. I know nothing. Je t'avais oublié, toi. Oh putain. Alors, tiens. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Superbe. He's odd, Sherry. Even odder than I. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, no, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Elles sont bizarres, ces lunettes, non? Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure, answers, penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, no, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Carrément, adieu, quoi. Dis pas à bientôt, au revoir. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. J'archive de l'hôtel de ville de la poste de police de Cordona sont susceptibles de contenir des informations sur vos affaires. Lorsque vous enquêtez sur une preuve, pensez aux archives que qui pourraient s'avérer des plus utiles. Ok. Hop, tac. Est-ce qu'on peut se téléporter? Ou quoi, là? Comment on fait? Ou alors, on peut sortir du cimetière, si c'est un monde ouvert. Peut-être pas. Ce serait ouf. Non.
Non, 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 non. Alors du coup, il faut que je regarde la bonne direction. On est là. Il faut ressortir. Et c'est où? Pont. Marché. Pont. Waouh, il n'y a que des ponts dans cette ville, c'est un truc de ouf. Marché. Eh ben dis donc, il doit être bien caché, hein. Il doit être à l'autre bout. À moins que ce soit ça. Galerie marchande. Mais. C'est un truc de ouf. Je le vois pas. Ah, c'est ça. Hôtel de ville. Marqueur de boussole. Et ça, c'est quoi? Cardona Chronicle. Ok, et ça? Poste de police. Non, c'est là qu'il faut aller. Ok, comment on y va? Aucune idée. On va découvrir ça. On va voir si c'est vraiment un monde ouvert. Ou semi-ouvert. Ou semi-croustillant. Ok, la bicyclette est plus là. Bizarre. Je vois en mode bizarre cette bicyclette. Bon, désolé, tu entends peut-être que je renifle et tout. Mais dernièrement, je sais pas si c'est le pollen ou quoi. J'éternue, je me mouche, c'est la folie. Hein. Alors qu'on est bientôt en été. C'est assez surprenant. Ok! Là, on peut sortir. Bonjour, monsieur. Can I ask you a question? Hey, Toph. You have exactly 1 minute to get lost. Ah, ok. C'est comme ça chez vous. Pas très accueillant. C'est pittoresque, cependant, mais... Je n'en ferai rien. ils vont pas me répondre. Oh, pardon. Pour le coup, j'ai vraiment pas fait exprès. Aqueduc de l'Empereur. Ok, c'est la bonne direction. À moins qu'il faille passer par-dessus. Non. Je pense pas. C'est sympa quand même. Bon, il y a quelques petits bugs, mais bon. On va faire comme si on n'avait rien vu. Et attends, vendeur de journaux. Extra, extra, look at what you've done. The cheapest news on the island. Thank you. Ça sert à quelque chose de faire ça? J'ai des gros doutes là-dessus, mais bon, pourquoi pas? Oh! Vous êtes en jaune, vous. Can you satisfy my curiosity? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. My head is killing me. Ah ouais? Pourquoi? C'est bizarre tout de même. Et là, j'ai acheté un journal, je sais pas avec quel argent. Parce que bon, on n'est pas pauvre, ça se voit, mais j'ai pas l'impression d'avoir dans mes... Ah si, ok, c'est 79, c'est ça. C'est peut-être ça. Hein. Mais alors comment on gagne de l'argent? Une autre question très mystérieuse. Je vais éternuer pour le coup. Ok. Normalement j'ai eu le temps d'éloigner suffisamment le micro pour que ce soit pas trop dérangeant. On verra bien. Ça ressemble à un commissariat peut-être. Non, c'est plus loin, je pense. C'est sympa, mais c'est... Enfin, c'est bizarre, c'est un peu vide. Malgré qu'il y ait beaucoup d'éléments visuels. Bah, dis donc. J'espère qu'on pourra utiliser les voyages rapides, hein. Est-ce qu'on peut... Voilà, faire ça. Parce que ça se trouve, si j'ai envie de parler avec des gens, j'ai pas forcément envie de les questionner sur un sujet précis, tu vois. On a l'air d'être au bon endroit. Tu veux pas me parler? Non, évidemment. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now?
Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. What happened exactly? A tailoress from Scalardio's been robbed. Logan spent two whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Maître du déguisement. Est-ce que là je peux me déguiser? Non. C'est dommage. Ah non, je dois me changer avant. Pas bête. On working. She wants a proper sketch. I'll make her a proper bloody sketch. Ça veut dire que là, je suis. Ah oui, je suis obligé de faire sa quête avant. Si je comprends bien. Journal de John. Ok, les conséquences, bon, très bien. L'atelier se trouve à l'intersection de Knight Road et Trinity Way. À Scalado. Scalado. Ah putain. J'ai dit quoi? Wright Street. Et Trinity, c'est vers là. Mystère raccourci. Rien de tout ça. On va mettre raccourci. Ok, je pense que pour l'instant, c'est pas trop déconnant ce que je fais. C'est quand même un petit peu dommage d'avoir des temps de chargement à chaque fois. Mais que voulez-vous? On fait avec. En fait, ce qui est bizarre, c'est que le jeu est sorti cette année. Je crois qu'il est sorti il y a quelques mois sur les versions PS5 et tout. Mais il donne l'impression de venir de la décennie précédente. C'est très étrange. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'évolution entre ces deux... entre le second... Enfin, le deuxième et ce jeu-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Alors. Je pense être au bon endroit. Non. Comment est-ce que je reconnaîtrais l'endroit, moi? Ah oui, y a un mec qui dort ici. Relisons. L'atelier se trouve à l'intersection de Knight Road et Trinity Way. Ah merde, je suis à Reed Street. Je suis trop con. Knight Road. Ah, c'est là. Ouais, c'est bête. Comment on enlève ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Puis ça a besoin de un croquis du voleur qui a cambriolé l'atelier de Madame Nini. Laquelle est située au croisement. Ok. C'est donc ça. Pâtissante couturière italienne, experte de l'aiguille.
Bonjour, madame. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketcher, signore. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal, if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Oui. Évidemment. Quelque chose à dire, John? What can I do for you, Sherlock? Ah, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. Mm-hmm. Comment on fait? Faut aller où? Ah, ok. Donc il faut choisir des petites lunettes. Attends, elle nous en a parlé de ça? Couvert de bleu. Attends. Ça c'est... Ça c'est juste une tête bizarre. Ok, on va vérifier. Dessinateur... A une allure de vrai scélérat. Couvert de bleu et portait des lunettes. On va voir. He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil looking. All right, I'll try another pair. Eh bien, c'est que j'ai pas besoin d'aller trop loin. Ah si, il faut que j'y retourne. Juste pour changer de paire de lunettes, hein. Plus anguleux, bah y'a que ça de toute façon. Ah non, il y a d'autres éléments à ramasser. D'accord. J'avais pas vu tout ça. Ça m'a l'air bon. Hop. Merde. Oh là là. Je suis gouré. Elle a pas spécifié s'il avait un chapeau. Ça c'est bon. Ok, on va essayer comme ça. Pipadipopo. Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a moustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, ma'am. Vous pouvez pas le dire avant. John has wares if you have coin. Ok, on va changer. Elle a dit la moustache. Moustache, hein, pas barbe. À moins qu'il y ait d'autres trucs à ramasser. Non, c'est tout. Et là, on va être le portrait craché. No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Attends, mais dis que c'était un scélérat, mais qu'il était bien habillé. All right, I've got it. C'est infini, hein.
Pipapou. Un costume beige. Beige moche. Ok, et après elle va me dire non, il avait un chapeau. J'ai envie de lui mettre un chapeau comme ça. Sinon, on va jamais s'en sortir. It's you. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mom, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Trop cool. En vrai, elle était sympa cette mission. Elle était rigolote. Et heureusement que j'ai rajouté le chapeau, sinon on allait se taper encore, encore 3 minutes là. 3 minutes qu'on va plutôt utiliser à bon escient pour aller retrouver le dessinateur. Hello. Ce qui est facile, c'est que c'est déjà indiqué par le gros point rouge sur la carte. Oh, en fait, j'ai fait un détour de malade. Eh, puisque je m'étais trompé de rue, forcément. Forcément, ça aide pas. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Oh, cool. On a 20... Je sais pas trop ce que c'est. du coup, on est... Ça, c'est bon. Moi, ce qu'il me faut, c'est le récit. Voilà. Et maintenant, on peut aller aux archives. Bah alors ? Fais dodo. Oh, I need a day off. Les archives. C'est beau. D'accord. Comment ça fonctionne là? Sélectionnez la preuve avec l'icône de livre. Lisez attentivement. Je vais ces trois qui tirent pour lancer la recherche. Ok. C'est un homme qui a laissé la montre de poche de la manière mentionné que la mère avait fait ce policier. Je doute de la véracité de ses propos. Il y a des traces dans les archives. Il y a 10 ans, nous vivions quelque part. Je vais donner cette information. Quartier. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Contrebande, délit, plainte. Ma mère avait fait l'objet d'une investigation. Comment c'est... C'est-à-dire l'objet d'une investigation policière. Mais ça veut dire quoi? J'ai peur de pas trop comprendre. Crime. Merde. Ok, c'est bon. Elle aurait été victime plutôt, pas policière. Voilà. Hop. Dossier de police vide. Tout ce que j'ai retrouvé dans les archives était des dossiers vides étiquetés comme suit. Affaire Violet Holmes, 9 avril 1869. Manoir de Stonehood.
Stone Serai ne contient aucun document. Enquête policière semble donc réellement avoir eu lieu. Mais tous les documents qui étaient liés ont disparu. Bon. John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. C'est bizarre, des fois il dit notre mère. Il dit pas ma mère. Est-ce qu'il se considère... Enfin, je sais qu'il a un frère Mycroft, mais... Bizarre tout de même. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor, basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. C'est vous le sergent là? So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. En vrai, ils ont quand même bien amélioré les visages. Hein. Je fais le gars, mais que niveau graphisme, c'est quand même un petit peu plus beau. Malgré tout, je vais éternuer. Ok, let's go. Alors. Je pleure des yeux maintenant. Pour viser, c'est comme dans tous les jeux. Pour charger manuellement, comme dans tous les jeux. Ok. Ok. Est-ce que je dois tirer là-dessus ? Hooray! Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Come on, Sherry. It's just like in childhood. Appuyez sur la main pour alterner entre les positions debout et accroupi. Éviter une roulade. Steady, Sherry. Steady. And go. Sherlock, you are the fastest man alive. Ouais, c'est vrai. Alors, attends, comment on utilise la roulade? Dans quelles conditions, je veux dire? Attends, mais ça veut dire que ça va être dur. Ça, il n'y avait pas ça dans les jeux précédents, je crois. My favorite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. C'est-à-dire? Attends. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Oh, j'aurais voulu tirer sur la lumière, mais ça aurait rien changé. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. The snuff's ready. C'est bon?
Non, il reste une pièce d'armure. Hey. All right, let's move on, Sherry. If you stand here and use your snuffbox on him, you can definitely overcome him, Sherry. It's all calculated. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Move on to the next room, new boy. Good job, new boy. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Attends, les ennemis portant un casque ne seront pas affectés par votre pistolet, la tabatière ou les effets de l'environnement. Veillez à toujours dépouiller un ennemi en armure avant de l'affronter. Ok. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. Ah, la référence à James Bond. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Bah vas-y, c'est parti. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. La vache. Ça pose les bases, hein. I'm coming for you. Oh, quoi? Overcome him. Don't rush. I couldn't miss the party. Attends, mais... I'm coming for you. Ça, ça va le tuer, non? Don't bother moving. You've lost. Oh merde. Attends. Faut que je trouve un truc. Attends. Lui déjà c'est bon ou pas? Just die. Comment on utilise déjà la poudre? Weaken him first. I couldn't miss the party. Ça, on peut pas s'en servir. Ah si, on peut. Ah dur. Ok, let's go. No more crime for you. The snuff's ready. Un truc. Oh, tire là-dedans. Bah ça servait à rien. Attends, je vais vérifier un truc. Comment on fait? Comment jouer? Voilà. Combat. Vous pouvez étourdir les ennemis portant un casque. Ouais, ça j'avais compris. C'est pour passer à la séquence de combat. Oui, mais moi ce que je veux savoir c'est... Bon, déjà j'ai l'impression qu'on peut pas se remettre de la vie. Ah putain, c'était ça. Mais il a pas voulu le faire tout à l'heure. Et si je lui tire dans les jambes?
won't work this. I'm coming for you. Ok, ça marche pas. I'm coming. Mais là, j'ai plus tellement de trucs à utiliser. C'est quoi ça? Il où le man? Ah, tu te caches, hein? Petit bâtard. Moi, j'attends qu'il vienne, du coup. Quoi? Mais genre, le mec, il a fait demi-tour. Tu vois, ça fait rien. Time to knock this guy out. Quoi? Ah merde, bah c'était pas la même touche. Comment tu veux que je sache, moi? I'm coming. Weaken him first. C'est chiant. I'm coming for you. En plus, c'est pas clair ce qu'il faut faire. You're dead. Qu'est-ce qu'il me reste là? J'ai plus grand choix. Mais y a rien du tout en fait. J'ai ma poudre, mais. Give him the pepper snuff. Oh, on va faire ça. Take a rest, my friend. Bon, on a été très très nul. Enfin, j'ai été très très nul. Mais c'était dur, hein. En vrai, le système de combat, je trouve, ils l'ont peut-être étudié très longtemps, mais. That's enough. Pas moi. Prove yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Mm-hmm. Donc soit on peut faire des petites enquêtes parallèles, soit on continue l'histoire. Moi j'ai envie de voir quelque chose. Est-ce que je peux vraiment changer de tenue? Ok, ça charge pas trop les trucs. Si je mets ça. Normalement c'est dans le DLC. Oh là là, parfait. Parfait, il est où John? On va voir comment ça lui va. Il est plus là? Bah alors. Attends, moi j'ai envie de le croiser avec cette tenue. Peut-être qu'il y aura une interaction. C'est vrai qu'il a une tête de glacier un peu. Ou alors c'est une référence à Dance Gavin Dance. Avec... Moi je trouve qu'il ressemble un peu au chanteur de ce groupe là. Et ça fait la blague parce que dans un des clips ils vendent des glaces. Ça se trouve c'est ça la ref. On saura jamais. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'il faut se concentrer sur l'histoire principale. Donc ça c'est bon, la dispute fera plus tard je pense. Ouais,
ouais, 47 minutes. On a au moins le temps de retourner. Bah non, on va pas. Je suis bête, moi. On va pas du tout à l'endroit où. Où c'était indiqué. Ça, c'est quoi? Souvenir brisé? Non. Attends, mais pourquoi j'ai un. Repère de Bandy. Et nous, on veut aller où? Manoir. Grand Sarret. Manoir Stonewood. C'est où le Grand Sarret? Ah, c'est là. Faut que je trouve un manoir, du coup. Ok. Alors ça. Ça j'ai déjà regardé. Ouais. De toute façon, je suis dans le bon quartier là. J'ai bien l'impression que oui. Raccourci, ça on peut l'enlever. Ça c'est bon. Je ne sais pas où c'est. Alors ce nœud doit se situer dans le Grand Sarret. Je me souviens également d'un pont. Ainsi que d'une église sur une colline. Une église. Ce serait par là du coup. Si je mets... Peut-être ça. Ah oui, c'est à moi de trouver vraiment la maison. Ok. Je vois, je vois. Ce qui est pas mal, parce que du coup, je suis pas du tout assisté. Ça peut être très très bien. Mais du coup, ce qui veut dire que le jeu est hyper long. Parce que dans mes souvenirs, celui que j'ai fait, qu'on a fait sur la chaîne, il était pas très long, mais bon, ça peut aller, tu vois. Celui-là, à mon avis, il a une grande durée de vie. Hein. Alors, un pont et une basilique. Enfin, il a dit une église, mais bon, moi je pense que c'est la basilique plutôt. Faudrait que je trouve cette maison. Ou alors je passe le pont. Attends, faut que je relise. Putain, j'ai vraiment une mémoire de poisson, c'est terrible. C'est que d'une église sur une colline. Tout à proximité. Si je vais là. Je fais ça, hop, supprimer. Je mets un marqueur ici. Là. Non, là. Je me demande si les gens ils vont vraiment réagir à ma tenue ou pas. Ok. C'est basique. Donc ça devrait être pas très loin. On devrait la voir facilement même. J'essaie de regarder un petit peu les deux. À la fois la direction et aussi l'image. Bon, on pousse tout le monde, hein, c'est pas très grave. Écoutez, j'espère qu'on aura le temps de trouver là. Ah, ça se précise, non? Ah ah. Place des fondateurs. Pardon. Ça ressemble à ça, non? Ah, pas exactement. Donc là, il y a une église en hauteur. Au
C'est quoi ça? C'est un volcan? Stylé. Le truc c'est que du coup j'ai pas l'impression d'apercevoir la maison. C'est pas ça. Bon, je pense qu'on va se retrouver au moment où j'aurai... Bah, où je serai devant le manoir. Ce sera plus efficace. Après c'est vrai que je me dis que bon, j'aurais pu demander aux passants si j'ai la photo avec moi, ça aurait pas été trop bête. Mais là j'ai surtout l'impression de m'éloigner. Donc ça c'est bien, c'est l'église que je cherchais. Si je leur demande. Oh là là. Excuse me, just one question. Friend, you're lucky there's something I know about this. Les rumeurs parlent d'un manoir abandonné situé à Leblanc Road. Entre Vernet et Silent Way. Entre... Attends. Silent Way. Entre machin et Silent Way. Redis-moi ça. C'est où qu'on retrouve ce que les gens m'ont dit? Entre... Ah non. Sur Leblanc Road, entre Vernet Street et Silent Way. C'est où Leblanc Road? Ok. C'est où Vernet Street et Silent Way? Ce serait par là. Non? Ça a l'air d'être par là, d'après ce que le gars vient de me dire. Quand je réfléchis. c'est assez rare pour le dire. Souvenir brisé. Si je fais ça. Tac, tac, tac. Putain. Mais alors, est-ce que je peux y accéder par ici? Normalement, oui. Si le jeu me fait pas des faux espoirs. Oh, j'ai envie d'essayer ça. Est-ce qu'on peut? Non, les développeurs. Vous avez pas fait en sorte qu'on puisse regarder dans les longues vues? C'est pas très sympa, ça. Manoir de Stonewood. Putain, on y est, alors. Balèze. Je peux pas utiliser une caméra. J'ai jamais utilisé une manette. Bon. Mais alors, est-ce que mon chemin va pas m'amener trop loin, là? Est-ce qu'il faut tout redescendre? On se croirait au but de Chaumont. Allez. Ils auraient pu mettre quand même ce mode de déplacement-là en mode déplacement normal. Tu vois, qu'il soit pas juste un sprint. Et qu'on puisse accélérer encore plus. C'est clair ou pas? Il y a beaucoup de monde la nuit, quand même, hein. Mais attends, du coup, là, si je suis passé devant. Manoir Stonewood. Ah oui, ok, j'y suis. Eh ben, j'y suis, j'y reste. Mais je pense qu'on va s'arrêter juste devant, hein.
Attends, c'est pas du tout ici. Bah non, c'est là. Bon, écoute, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain très très vite. Et puis, je te dis salut.